Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cette vidéo est spéciale et unique. Et j'adresse cette vidéo à une fille qu'on a critiquée, qu'on a insultée, qu'on a humiliée ici sur la toile, ici même sur Facebook. Cette fille qui s'appelle Cynthia Fianga. Cynthia Fianga, depuis quelques heures, pour ne pas dire depuis hier, je vois comment les réseaux sociaux sont inondés par tes images. Mais cette fois-ci, pour parler de toi en bien, on nous annonce que tu as ouvert un restaurant quelque part là-bas à Yaoundé, à Obobogo, où c'est derrière la station, c'est station quoi, le nom est compliqué. Ma fille, c'est ce qu'on te demandait de faire depuis. J'ai lu certains continuer à te critiquer, à t'insulter. Mais sache que quand tu te mets sur le bon chemin, tu as encore plus de flèches que quand tu te retrouves, quand tu es sur le mauvais chemin. Alors hier, on t'insultait, y compris moi, parce que vraiment le chemin que tu avais emprunté n'était pas un chemin digne. Et ce que tu nous présentes aujourd'hui est vraiment ce qu'on souhaitait voir hier. Tu as ouvert ton restaurant. D'autres attendaient voir un restaurant 5 étoiles, 4 étoiles. Mais tu as commencé petit, juste pour faire comprendre à la jeune génération que il faut partir de rien pour grandir. Dieu va te bénir. Demain, tu auras ce genre de restaurant que tout le monde souhaite ou tout le monde voulait voir. Commence petit comme ça, ma fille. J'ai vraiment envie de t'encourager avec une petite somme. Mais je veux d'abord me rassurer parce que Facebook, c'est Facebook, hein, et la réalité, c'est autre chose. Parce qu'il ne faut pas qu'on se limite sur ce que nous on voit sur Facebook. Si réellement, Cynthia Feng, et je vais tenir ma parole, si ce restaurant-là tient un mois, moi je viendrai dans ton restaurant te faire la recette et te motiver avec une mini-somme que je ne vais pas, ça ne sert à rien de raconter sur les réseaux sociaux. Et j'invite tous ceux qui me suivent, tous mes fans, tout le public, même ceux qui ne sont pas mes fans, ceux qui suivent Cynthia Feng, ceux qui veulent encourager Cynthia Feng. Voilà vraiment la bonne voie que nous voulons voir les jeunes Camerounais prendre. L'entrepreneuriat. On t'a insulté hier parce que tu vendais le piment, parce que tu ne veux pas nier. Tout le monde a su, tout le monde a vu, tout le monde a confirmé. Mais tu as pris conscience, tu as dit non. J'ai d'abord vu dernièrement, tu avais eu un prix parce que tu avais créé un concept de web-série Les filles du village. Tu as eu un prix. Je ne t'avais pas félicité. Mais j'avais vu. J'ai encore vu ton restaurant que tu as ouvert. J'ai dit, waouh, vraiment, c'est formidable. Vraiment, rien de négatif. C'est ce que nous voulons. Que tous les jeunes prennent cette voie. Faire quelque chose. Créer un petit business. Créer de l'emploi. L'entrepreneuriat. C'est bien. Tu vas commencer petit comme ça. Demain, quand ça va grandir, on va te traiter de tous les noms d'oiseaux. Ne baisse pas les bras. Parce que ceux qui vont t'encourager seront peu. Oui, quand tu prends la mauvaise voie, c'est où beaucoup t'encouragent. Quand tu prends la bonne voie comme ça, non. Les vraies personnes là, il n'y a que les vraies personnes qui vont vraiment te féliciter. Et je te dis bravo Cynthia Fianga. Si vraiment ces images que je vois là sont vraies, je te dis encore bravo. Ne te décourage pas. Ça ne sera pas facile. Hein? Non, qu'on ne te trompe pas. Ça ne sera pas facile. Il y a même des jours que tu vas préparer comme ça. Ce n'est pas que je souhaite. Ça pourra arriver que tu peux préparer comme ça même. Si tu as fait peut-être 40 plats, tu vends seulement 10 plats ou bien même 15 plats. 25 plats restent. Ne te décourage pas. Ça fait partie des inconvénients de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Oui, surtout qu'on est encore à ses débuts. Mais j'ai vu à peine lancer ton restaurant, c'est en train de bouger. Non, c'est bien. Et je souhaite que toutes les pages qui relayaient
tout ce que tu faisais de mauvais hier, aujourd'hui, publie également ton restaurant pour t'encourager, pour te donner la visibilité. Donc, Cynthia Fianga, beaucoup de courage avec ta petite copine là. Je ne sais pas si c'est ta copine ou c'est ta camarade ou c'est ta soeur. Je sais que vous êtes deux dans le projet. On vous a même vu tout récemment au Hilton et tout le reste. On a dit tout ce qu'on pouvait dire. Vous êtes libre de mener votre vie. Mais la voix, je dis encore que cette voix que tu as empruntée là, c'est la voix que moi, Franco, j'aime. Et je vais t'encourager, ma petite. Je vais t'encourager. Quand je viendrai là-bas, je vais même faire une vidéo pour dire, me voici chez Cynthia Fianga. J'attends encore de voir vraiment si tu es sérieuse dans ce que tu entreprends là. Parce que vous les jeunes aujourd'hui, quand vous commencez, on commence à vous apprécier comme ça. Demain, on va entendre seulement que c'est déjà fermé. Voilà. Donc, il faut persévérer. C'est le message que j'avais pour toi ce matin, Cynthia. Vraiment, ce que tu as fait là, ce que tu as commencé là, si tu continues, tu ne vas pas regretter. Beaucoup de courage et que Dieu te bénisse, Cynthia Fianga. Je viendrai chez toi. Ciao. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.